أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم <سؤال> صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين j'évoquais la bataille de yamama qui avait eu lieu au cours du califat d'abu bakr al siddiq yamama est une ville renommée du yémen. ces jours-ci, cette région se trouve en arabie saoudite. yamama était une région très verdoyante et luxuriante. On dit que Yamama était une des plus belles villes. Il s'y trouvait des arbres et des dattiers en grand nombre. Les Banu Hanifa vivaient dans la région de Yamama. Il s'agissait d'une tribu de guerriers redoutables. Le tafsir de Kurtubi a commenté sur le verset suivant. Vous serez appelé pour combattre un peuple de guerriers redoutables. Vous vous battrez contre eux jusqu'à qu'ils se soumettent. Le tafsir de Qurtubi déclare à ce propos que selon Hassan, les Persans et les Romains sont ce peuple de guerriers redoutables. Selon Ibn Jubair, il s'agit des tribus rawazines et Fakif. Selon Zohri et Maqatil, il s'agit des Banu Hanifa, des Banu Hanifa qui habitaient la région de Yamama et qui étaient les suivants de Moussalama. Rafi bin Khatij déclare « Nous récitions ce verset, mais nous ignorions qui était ce peuple de guerriers redoutables ». Jusqu'à ce qu'Abu Bakr nous a invités à combattre les Banu Hanifa. Et nous avons compris qu'il s'agissait de ce peuple-là. Au tout début de l'ancêtre de l'Égypte, ou en l'an 6, selon certains, le saint prophète Mohammed B'il lui a envoyé des lettres à différents rois, les invitant vers l'islam. Le saint prophète upon ben lui avait aussi envoyé une lettre à Khawza bin Ali, le roi de Yamama, lettre qui était aussi adressée à son peuple. Et dans cette lettre, il invitait ce roi ainsi que son peuple vers l'islam. En l'an 9 de l'Hégire, différentes délégations sont venues à Médine. Il s'y trouvait aussi la délégation des Banu Hanifa. Muj'a bin Murara faisait partie de cette délégation. Le Saint-Prophète, Mohammed bin Sosso lui, lui avait concédé une terre inoccupée de l'État qu'il avait demandé. Arjal bin Unfawa faisait aussi partie de cette délégation. Moussalema le Menteur et Thamama bin Kabir bin Habib étaient également présents dans cette délégation. Selon Ibn Hisham, Moussalama se nommait Moussalama bin Thamama et son surnom était Abu Thamama. Cette délégation a logé chez Aramla bin Teharith, une femme des Ansars, à Médine. Quand les délégations se succédaient à Médine pour prêter allégeance au saint prophète mohammed bissousa lui, eh bien le saint prophète bissousa lui avait choisi une maison pour loger ses délégations. Cette maison appartenait à Ramla bin Harith, Elle était une femme des Banu Najjar. Il s'agissait d'une très grande maison. Quand les gens des Banu Hanifa sont partis à la rencontre du Saint-Prophète Mohammed Bissas, lui, ils n'avaient pas pris avec eux Mousselema. Ils avaient laissé Mousselema à l'arrière pour protéger leurs biens. Après avoir embrassé l'islam, ils ont évoqué Moussalama et ils ont déclaré Ô envoyé d'Allah, nous avons laissé un des nôtres à l'arrière avec nos biens et avec nos montures. Il est en train de surveiller nos biens. Sur ce, le saint prophète Mohammed a ordonné qu'on offre à Moussalama autant de cadeaux qu'il avait demandé qu'on offre aux autres le saint prophète a déclaré, il ne vous est pas inférieur en statut parce qu'il protège les biens de ses compagnons. ensuite, sa délégation a quitté le messager d'allah et elle a pris avec elle ce que le saint prophète lui avait offert à musaylima. Selon ce récit, tous les membres de la délégation des Banu Hanifa, à l'exception de Moussalama, ont rencontré le saint prophète Muhammad, Mohamed Bissosalam. Mais selon d'autres récits, Moussalama aurait rencontré l'envoyé d'Allah, alayhi wa sallam. En général, les récits affirment que Moussalama avait rencontré l'envoyé d'Allah, soit la On dit aussi qu'il l'avait peut-être rencontré lors de sa deuxième visite. En tout cas, les récits indiquent que cette délégation visitant le Saint-Prophète, Mohammed, comprenait également Moussalama. Ceci a été mentionné dans d'autres endroits. Ils ont présenté Moussalama tout recouvert de vêtements au saint prophète Mohammed b. L'envoyé d'Allah, Sallallahu était assis parmi ses compagnons et il avait une branche de palmier à la main. Moussalama lui a parlé et lui a fait des requêtes. L'envoyé d'Allah, Sallallahu wa sallam, a déclaré, même si tu me demandes cette branche de palmier qui est dans ma main, je ne te la donnerai pas. Les récits du Saïd al-Bukhari nous apprennent que Mousselama ne s'était pas rendu à la rencontre avec le Saint-Prophète Mohammed bin, lui, mais que c'était le Saint-Prophète b. lui en personne qui lui avait rendu visite. Roubaixdoullah bin Abdullah bin Othba relate Nous avions reçu la nouvelle que Mousselama, le menteur est venu à Médine et logé dans la maison de la fille de Harith. La fille de Harith bin Khouraïd était sa femme et elle était la mère d'Abdullah bin Amir. L'envoyé d'Allah est venu lui rendre visite. Il était accompagné de Thabit bin Kays bin Shammas. Ce dernier était nommé le khatib du Saint-Prophète. Il avait une branche dans la main du Saint-Prophète Mohammed. Il se tenait à côté de Mousselma et lui a parlé. Mousselma lui a dit Si vous le souhaitez, vous pourrez me laisser cette affaire entre nous. Ensuite, vous pourrez me la léguer après votre départ. C'est-à-dire la question de la Noboua. Il souhaitait se faire prophète après le Saint-Prophète Mohammed Pesosadvi. Telle était sa requête majeure. Le Saint-Prophète Pesosadvi lui a répondu Même si je me demande cette branche, je ne te l'offrirai pas. Selon moi, tu es celui que j'ai vu dans mon rêve. Voici Thabit bin Qais qui te répondra en mon nom. Ensuite, le saint prophète Mohammed à lui est reparti. Selon un autre récit, Ibn Abbas relate oui. que Moussalama le menteur s'était rendu à Médine à l'époque du saint prophète Mohammed à lui et il a déclaré, si Mohammed Sallallahu Alaihi faisait de moi son successeur, eh bien je vais le suivre. Ceci explique le récit précédent. Moussalama était venu avec un grand nombre de ses partisans. L'envoyé d'Allah, P.S.A. lui, est venu le rencontrer. Le Saint-Prophète, P.S.A. lui, était accompagné de quinze bin Tabit bin Shamas. Et l'envoyé d'Allah, P.S.A. lui, avait une branche de palmier à la main. Et il était debout à côté de Mousselama qui était avec ses compagnons. L'envoyé d'Allah, Pessoa lui a déclaré Si tu me demandes cette branche, je ne te l'offrirai pas, et tu ne pourras jamais aller au-delà du jugement d'Allah. Et si tu as tourné le dos, Allah coupera ta racine, et je constate que tu es celui que j'ai vu dans mon rêve. Voici Thabit qui te répondra en mon nom. Ensuite, le saint prophète, Pessoa lui a quitté Moussalama. Ce récit est tiré dal Ibn Abbas relate J'ai demandé au sujet de ce qu'avait dit le Saint-Prophète Mohammed, notamment que tu es celui que j'ai vu dans mon rêve. Abu Huraira, lui m'a dit Le Saint-Prophète Mohammed avait déclaré Je me suis endormi et dans un songe, j'ai vu deux bracelets en or dans la main. Et j'étais inquiet de voir ces bracelets en or dans mes bras. Le saint prophète soit Salu a déclaré que j'ai vu des bracelets dans les bras et j'étais inquiet de les voir. Et dans le rêve, j'ai reçu une révélation me demandant de souffler sur ces deux bracelets. J'ai soufflé dessus et ces bracelets ont disparu. Selon moi, l'interprétation de ces deux bracelets était deux menteurs qui apparaîtront après moi. Le narrateur au a déclaré L'un d'entre eux est Ansi que Feroz a tué au Yémen, et l'autre est Moussalama le menteur. Ceci est aussi un récit tiré du recueil d'Al-Bukhari. En tout cas, il semble, d'après les récits ci-dessus, que Moussalama le menteur est venu à Médine plus d'une fois. Une fois, lorsque son entourage l'avait laissé derrière pour protéger leurs biens et qu'il n'avait pas rencontré le saint prophète Muhammad et sur lors de sa deuxième visite à Médine, il a rencontré l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa Et lors de cette rencontre, il avait fait des requêtes au Saint-Prophète Mahmoud Pesas à lui, notamment de faire de lui son successeur. Fatul Bari, l'exégèse du Sahih al bukhari explique qu'il est possible que Musulman soit venu à Médine à deux reprises. La première fois, le chef des Banu Hanifa était quelqu'un d'autre à sa place. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'était pas le chef de sa tribu. Quelqu'un d'autre était à la tête de sa tribu et Mousselema lui était soumis. C'est pourquoi il était resté en arrière pour protéger leurs biens. Et il était venu la deuxième fois quand les gens lui étaient soumis et il avait parlé au Saint-Prophète Mohamed B.S.A. lui. Il est possible que cet incident était le même et qu'il ne s'était pas présenté au Saint-Prophète Mohamed B.S.A. lui par orgueil et en prétendant surveiller les biens de ses compagnons. Mais le Saint-Prophète Mohamed B.S.A. lui l'a traité avec respect dans le but de gagner son cœur. Selon le Hadith, il était venu avec un grand nombre de gens. On dit qu'il était venu avec 17 personnes. Ceci est une preuve que Mousselama a visité Médine plus d'une fois. Lorsque la délégation est revenue à Yamama, l'ennemi d'Allah, Moussalama, est devenu un apostat et il s'est proclamé prophète. Il a déclaré, j'ai été fait partenaire dans la prophétie avec le saint prophète Muhammad lui Lorsque vous m'aviez mentionné au messager d'Allah, n'avait-il pas déclaré que je n'étais pas inférieur à vous en statut Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit cela parce qu'il savait que j'étais un partenaire dans sa naboua et qu'il était prophète. Ensuite, Mousselama a commencé à fabriquer des révélations divines adressées aux gens en copiant le Saint Coran, et il a exempté les gens de la solat. Et il a lancé sa propre charia, et il a exempté ses suivants de la solat. Selon un récit, il a mis fin à deux solat, les solat d'isha et de fajr. Et il a rendu l'alcool et l'adultère licites pour son peuple. Et il a également témoigné que le saint prophète Mohammed Besos, lui, était un prophète et les Banu Hanifa était d'accord avec lui. Une autre raison qui a accru le pouvoir de Moussalama était sa rencontre avec Ar-Rijal bin Unfawa. De prime abord, Mousselama a allégé la charia et il a déclaré qu'Allah lui confère des révélations et il a également admis que le saint prophète Mohammed est aussi un prophète, de sorte que ceux qui sont devenus musulmans n'aient pas l'impression qu'il les éloigne du saint prophète Mohammed. Ainsi, il accomplit tout cela avec une grande hypocrisie. En tout cas, il est dit qu'une autre raison qui a accru le pouvoir de Moussalama était le soutien d'Arjidjal bin Unfawa. Cet individu était un résident de Yamama et il était présent dans la délégation des Banu Hanifa à Médine. Après avoir immigré à Médine, il s'est rendu auprès du saint prophète Mohammed et, lui il a appris le saint Coran, il a reçu une instruction religieuse. Et lorsque Mousselama est devenu un apostat, le saint prophète Mohammed lui a envoyé Harijal bin Unfawa comme enseignant aux gens de Yamama et pour empêcher les gens de suivre Mousselama. Mais cet homme a causé plus de troubles que Mousselama. Quand il a constaté que les gens se soumettaient à Mousselama, eh bien, il s'est joint à eux pour se faire de la. Nommé. Il avait été envoyé pour réformer les gens là-bas et pour mettre fin à cette insurrection, mais il a rejoint les rangs de Mousselema. Et tout en soutenant le mensonge de la prophétie de Mousselema, il a également attribué une fausse déclaration à l'envoyé d'Allah, notamment qu'Allah a associé Mousselema à la Naboua du Saint-Prophète Mohammed alayhi lui. Il a commencé à répandre cette idée. Il avait acquis la connaissance du Saint-Coran et les gens croyaient en ses propos. Lorsque les habitants de Yamama ont constaté qu'un compagnon de l'envoyé d'Allah, wa sallam, témoignait de la prophétie de Mousselama et qu'il avait été envoyé pour enseigner le Coran aux gens, eh bien, ils n'ont pas eu d'autre recours que d'accepter la Naboua de Mousselama. Et les gens ont prêté allégeance en masse à Mousselama. Mousselama a également écrit une lettre à l'envoyé d'Allah. Le texte de cette lettre est le suivant. Il déclare de la part de Mousselama le messager d'Allah à Muhammad le messager d'Allah. La moitié de la terre nous appartient et la moitié appartient aux Korachites, mais les Korachites ne sont pas justes. En réponse, l'envoyé d'Allah lui a écrit en disant Au nom d'Allah, le gracieux le miséricordieux, de la part de Muhammad le prophète, sallallahu alayhi sallam à Mousselama, le menteur. La terre appartient à Allah, il l'offrira à celui de ses serviteurs qu'il choisira. Seuls les mutakis méritent une bonne fin. Et à la paix soit sur celui qui suit la direction. Selon un récit, Habib bin Zaid Ansari s'est présenté à Mousselama avec une lettre de la part du saint prophète Mohammed lui. Quand il a présenté cette lettre à Mousselama, celui-ci a déclaré « Attestes-tu que Mohammed est le messager d'Allah ?» Habib a répondu oui. Moussalama lui a demandé Témoignes-tu que je suis le messager d'Allah Habib a répondu Je suis sourd, je n'entends pas. Il a fait la sourde oreille. Moussalama a répété sa question et Habib offrait la même réponse. Et Moussalama souhaitait que Habib l'accepte comme prophète. Et quand Habib ne répondait pas comme il le souhaitait, Moussalama lui tranchait un membre du corps. Il le torturait en lui tranchant une partie du corps afin que Habib réponde à l'affirmative. Habib a fait preuve d'une patience et d'une persévérance inébranlables jusqu'à ce que Moussalama l'ait découpé en pièces. Habib est tombé en martyr devant lui. Moussalama a semé la rébellion à Yamama. Il ne s'est pas contenté de se proclamer prophète, mais il a aussi commis des exactions en torturant ceux qui ne l'acceptaient pas comme prophète. Moussalama a semé la rébellion à Yamama et il a expulsé Fumama bin Uthal, qui était l'agent du saint prophète Muhammad bissous celui à Yamama. Après le décès du messager d'Allah, Abu Bakr a envoyé diverses armées contre des apostats. Et il a envoyé une armée dirigée par Ikrama contre Mousselama le menteur. Et il a envoyé Shahrabil bin Hassana comme renfort derrière Ikrama. Abu Bakr de a instruit Ikrama de ne pas commencer le combat contre Mousselama avant l'arrivée de Shahrabil. Mais Ikrama a agi à la hâte et il a attaqué les gens de Yamama avant l'arrivée des renforts de Shahrabil. Il l'a fait afin d'avoir le mérite de la victoire. Mais il s'est embourbé et il a été vaincu. L'armée de Moussalama était très nombreuse. Lorsque Shahrabil a appris la nouvelle de cet incident, il s'est arrêté en chemin. Et Ikrama a écrit à Abu Bakr à propos de cet incident. Sur ce, Abu Bakr lui a répondu que je ne veux pas voir ton visage et toi non plus, tu ne me verras pas. Tu as désobéi à mes instructions. Ne retourne pas de peur que les gens ne fassent preuve de lâcheté. Rends-toi chez Ruzefa et Arfaja et pars combattre les gens de Man et de Mahra à leur côté. Mahra est une zone sur la côte de la mer d'Oman, au et sud de, de l'Arabie. Ensuite, de là-bas, rends-toi au Yémen la et à Hadramaut avec tes troupes pour rejoindre l'armée islamique, lui a dit, dit Aboubakr Abou Radetanrou. Hadramaut est également un royaume à l'est du Yémen, avec la mer et sur sa frontière sud. Un autre récit présente ainsi la lettre d Abu d Abu Bakr à Ikrama. Il lui a dit, tu te crois expert mais tu as peur d'apprendre. Tu ne maîtrises pas l'art de la guerre et tu n'es pas habile. De plus, tu as peur d'apprendre. Le calife lui a dit, le jour que tu me rencontreras, tu verras comment je vais te traiter. Pourquoi n'as-tu pas attendu l'arrivée de Shahrabil afin de livrer bataille avec son soutien? Rends-toi à présent chez Huzaifa et aide-le. Tu as désobéi à l'ordre du calife de l'époque et tu te considères comme un grand expert et tu ne veux rien apprendre. Sur ce, ne viens plus me voir. Quand tu viendras à ma rencontre, tu verras comment je vais te traiter. Pour l'instant, rends-toi chez Huzaifa et aide-le dans sa campagne le calife a ajouté que si Huzaifa n'a pas besoin de ton soutien, eh bien par au Yémen et, et par à Hadramaut et aide Mujahir bin Umayyah. Abu Bakr avait envoyé Mujahid bin Umayyah à Hadramaut pour combattre la tribu Kindah. Abu Bakr a ordonné à Shahrabil de ne pas bouger jusqu'à nouvel ordre. Ensuite, avant d'envoyer Khalid bin Walid à Yamama, il a écrit ceci à Shahrabil. Lorsque Khalid te rejoindra et que vous aurez terminé avec Yamama, rendez-vous à Kouda. » Et avec le soutien d'Amr bin as occupez-vous des rebelles qui refusent de se convertir à l'islam et qui se sont dressés contre Amr bin Al-As. Ces rebelles ne se sont pas contentés de rejeter l'islam, mais ils ont aussi livré bataille contre Amr bin Al-As. À l'instar d'Ikrama, Shahrabir a également agi à la hâte et ce contre les instructions du calife Abu Bakr. Et il a commencé à se battre contre Moussa avant même que Khalid ne le rejoigne. Et il a aussi été vaincu, sur ce Khalid était en colère contre lui. Abou Bakr As-Siddiq a envoyé des renforts sous la direction de Thalid pour aider Khalid bin Walid et afin de protéger ses arrières. Abou Bakr a envoyé Khalid bin Walid contre Moussa Reba et il a également envoyé un groupe de Muhajirin et d'Ansar pour se battre à ses côtés. Abou Bakr a nommé Thabit bin Qais à la tête des Ansar et Abu Huzaifa et Zayd bin Khattab à la tête des Muhajirin. Il a nommé un chef à la tête de chaque tribu. Khalid bin Walid attendait l'arrivée de cette armée à Bouta. Bouta est un lieu de, Yama de Yama. la région des Banu -Tamim. Et quand toutes ces forces se sont réunies sous l'égide de Khalid, celui-ci s'est rendu à Yamama. Yama. Les Banu Hanifa, quant à eux, étaient très nombreux ce jour-là. Leurs forces comprenait environ 40 000 guerriers. Le nombre des habitants du de Yamama qui étaient avec Moussalama était de quarante mille. Selon un récit, il était du nombre de cent mille ou plus, tandis que les musulmans étaient plus de 10 000. Avant la grande bataille, les musulmans ont capturé un chef des Banu Hanifa. Selon un récit, Mujara bin Marara, un chef des Banu Hanifa, est sorti avec un groupe et les musulmans l'ont capturé, lui et ses compagnons. Khalid bin Balid a tué les compagnons de Mujara, mais il a gardé en vie Mujara parce qu'il était très respecté parmi les Banu Hanifa. Voici d'autres récits à ce propos. Il est dit que lorsque Khalid bin Walid est arrivé à Arid, il a envoyé 200 cavaliers en avant et il leur a demandé d'attraper tous ceux qu'ils rencontreront en cours de route. Ces cavaliers sont partis et ils ont attrapé Mujahid bin Marara Hanafi avec 23 membres de sa tribu. Ils étaient partis à la recherche d'un homme des Banu Numair. Ils étaient sortis et ils ignoraient la venue de Khalid bin Walid et de ses forces. Les musulmans leur ont demandé « Qui êtes-vous » Ils ont répondu « Nous sommes de la tribu Banu Hanifa ». Les musulmans pensaient qu'ils étaient des émissaires de musulmans envoyés à Khalid bin Walid. Le matin, quand ils se sont retrouvés face à face, les musulmans les ont présentés à Khalid bin Walid. Khalid les a vus et il croyait qu'ils étaient les envoyés de Moussalemah. Il leur a demandé au Banu Hanifa Quelle est votre opinion à propos de votre compagnon, c'est-à-dire de Moussalemah Ils ont témoigné qu'ils étaient le messager d'Allah. Khalid a demandé à Mujahid ce qu'il en pensait. Il a répondu Par là, je suis sorti à la recherche d'un homme des Banu Numair qui avait commis un meurtre dans notre tribu, et je ne suis pas un des proches des Moussérevins. En ces instants-là, il s'est rétracté par peur. Il a ajouté Je m'étais rendu au service du Saint-Prophète Mohammed, et, et j'ai accepté l'islam, et je suis toujours musulman. On a présenté le reste de ses compagnons, Khalid les a tués tous, et quand il ne restait que Saria bin Musalama bin Amir, celui-ci a déclaré Oh Khalid, si tu souhaites quelque bien ou quelque mal en faveur des gens de Yamama, eh bien épargne la vie de Mujara il t'aidera durant les jours de la guerre et de la paix. Mujara était un chef, Khalid ne l'a pas tué et il a apprécié la suggestion de Saria. Il a également épargné Saria et il a ordonné qu'on les enchaîne tous deux. Khalid avait l'habitude d'appeler Mujara qui était tout menotté et il lui parlait. Mujara croyait que Khalid allait le tuer. Mujar a dit à Khalid bin Moulid, Ibn Mourira Ibn était le surnom de Khalid bin Moulid. Il a déclaré, oh Ibn Murira, je suis musulman. Par Allah, je n'ai pas m'écru. Je m'étais présenté au Saint-Prophète lui et je l'ai quitté en tant que musulman. Je ne suis pas sorti pour me battre. Ensuite, il a répété le fait qu'il était sorti à la recherche du meurtrier issu de la tribu Noumer. Khalid a déclaré que la distance entre l'exécution et le pardon est très courte, c'est-à-dire entre la mort et l'emprisonnement, jusqu'à ce qu'Allah rende son verdict au sujet de notre bataille. Sur ce, Khalid a confié Mujara à son épouse, épouse avec laquelle il s'était marié après l'exécution de malik bin nouéra il a ordonné à son épouse de bien s'occuper de ce prisonnier moujah a pensé que khalid voulait l'emprisonner afin qu'il puisse l'informer de la position de l'ennemi moujah a répété savez-vous que je m'étais présenté à l'envoyé d'allah et que j'ai prêté allégeance à l'islam il répétait sans cesse le même point il a déclaré je suis retourné par la suite vers ma tribu et je suis dans le même état. Mais les événements d'après démontrent que tout cela était une fausse déclaration. Il a déclaré Aujourd'hui, mon état est le même qu'hier. Après avoir quitté le groupe de Mujara Khalid s'est rendu à Yamama. En apprenant leur arrivée, Mousselama est sorti pour l'affronter avec sa tribu et les Banu Hanifa ont campé à Akraba. Akraba est une zone qui est face aux champs et à la zone verdoyante de Yamama. Khalid a élaboré un plan solide. Il ne considérait jamais l'ennemi comme faible. Il prenait toutes les dispositions nécessaires sur le champ de bataille et il prenait toutes les précautions de peur d'une attaque soudaine de la part de l'ennemi ou de quelque conspiration de sa part. On dit que Khalid ne dormait pas, mais qu'il laissait dormir les autres. Il passait toute la nuit dans les préparatifs. Il était au courant de chaque fait concernant l'ennemi. Il était temps de former les rangs de l'armée. Le porte-drapeau de cette bataille était Abdullah bin Hafsa bin Randib. Ensuite, le drapeau a été transféré à Salim Baula Abu Hudaifa. Khalid a envoyé Shahrabil bin Hassanah à l'avant lors de cette bataille. Et il a réparti l'armée islamique en cinq divisions. Il a nommé Khalid Marzoumi à l'avant-garde. Il a nommé Abu Hudaifa à l'aile droite, Shuja à l'aile gauche et Sarab bin Khattab au centre des troupes, et Oussama bin Zaid à la tête des cavaliers. Et il a laissé derrière les chameaux qui portaient les tentes et les femmes. Et tel était le dernier ordre avant la bataille. L'armée de Mousselama, le menteur, se tenait également prête, et Shahrabir, le fils de Mousselama, a dit à sa tribu, Au Hanifa, aujourd'hui montrez votre courage si vous êtes vaincus aujourd'hui vos femmes seront réduites à l'esclavage et on profitera d'elles sans le mariage montrez votre courage afin de protéger votre honneur et protéger vos femmes une bataille acharnée s'en est ensuivie cette bataille était d'une férocité inconnue des musulmans et les musulmans ont dû se retirer dans le cas présent si ils se sont retirés et les Banu Hanifa ont avancé pour libérer Mujah et ils ont visé la tente de Khalid. Khalid avait quitté sa tente et l'ennemi a pu atteindre Mujah, qui était dans la tente sous la garde de la femme de Khalid. Les apostats voulaient tuer sa femme, mais Mujah les a arrêtés et il a déclaré qu'il accordait sa protection à cette femme. Sur ce, l'ennemi l'ont laissé partir. Mujah a déclaré attaquer des hommes. D'une part, ils se disaient musulmans, mais d'autre part, ils ordonnaient aux ennemis d'attaquer les hommes. Et ils ont abattu la tente. Malgré le retrait de l'armée de l'islam, la détermination, la persévérance et le courage de Khalid bin Walid n'ont pas faibli d'une once, et il n'a pas pensé à sa défaite même un instant. Khalid bin Walid a appelé son armée et a déclaré Ô musulmans, séparez-vous, c'est-à-dire que chaque tribu combatte l'ennemi séparément, afin que nous puissions voir quelle tribu a fait preuve de la plus grande bravoure lors de cette bataille. Sa déclaration signifiait que tous les musulmans devaient combattre sous les drapeaux de leurs tribus respectives. C'était comme s'il insufflait une nouvelle vie dans toutes ces tribus et il a créé un esprit de compétition pour qu'ils prouvent leur caractère unique et leur bravoure. Les musulmans se sont également encouragés les uns les autres. Voici des détails supplémentaires à ce propos. Fabi Bin Kaysa a déclaré. Aux musulmans, ce à quoi vous vous êtes habitués est mauvais. C'est-à-dire que si vous vous êtes habitué à l'aisance, eh bien cela est fort condamnable. Les compagnons se sont encouragés mutuellement à se battre et ils ont déclaré Aux gens de la Surat al-Baqarah, aujourd'hui le charme est brisé. Fabi Bin Kays a creusé un fossé jusqu'à la moitié de ses cuisses et il s'y est enterré. Il portait le drapeau des Ansar et il s'est étendu de Hanout. » En Arabie, celui qui souhaitait prouver sa bravoure s'enduisait de hanout, indiquant par là qu'il s'était déjà embaumé avant même que les autres ne le fassent après sa mort. Ainsi donc, il s'était enterré à moitié comme s'il était prêt à mourir. Le hanout était un mélange de certains produits parfumés qu'on utilisait pour enduire le cadavre après le bain. Ou qu'on appliquait sur le cadavre pour le protéger de la pourriture pour une longue durée. En tout cas, selon les récits, il s'était noué le linceul et il est demeuré ferme face à l'ennemi jusqu'à ce qu'il tombe en martyr. Inch'Allah, je présenterai d'autres détails à ce propos. Je souhaite à présent mentionner certaines personnes qui sont décédées récemment. Tout d'abord, il y a la mention d'un martyr qui a été tué ces derniers jours. Il s'agit de Salam Sab, fils de Munawar Sab, qui est le président de la Jamaat de Elplot Dokara au Pakistan. Il est tombé à martyr le 17 mai dernier. Le défunt avait 35 ans, en opposant à l'a poignardé à mort. Inna wa inna Selon les détails, Abdul Saram sahib a quitté sa maison avec ses deux jeunes enfants, ses deux enfants dont Kamar Islam qui a 6 ans et Badr Salam qui a 4 ans et demi. On avait demandé aux défunts de partir réparer une connexion en eau. Il semble que c'était là un complot pour le faire sortir de la maison. Et l'ennemi l'a attaqué par derrière. Lorsqu'il a quitté sa maison, Rafiz Ali Raza, aussi connu comme Mulazam Hussein, un opposant à l'Ahmadiyya, l'a poursuivi et l'a attaqué avec un poignard. C'était durant la soirée. Abdus Salam a succombé à ses blessures suite à l'attaque et il est décédé devant ses deux enfants innocents. Il a d'abord été attaqué par derrière, il a été touché au rein. Ensuite, l'assaignant s'est pris à ses intestins, ensuite, il l'a attaqué au cœur. Il est tombé à martyr devant ses enfants et le tueur a pris la fuite. Le meurtrier a tué un Ahmadi à la recherche du paradis. Il était un élève de la madrasa locale qui se nomme Jamia Aminia Faridia El Plot du district d'Okara. Et il venait de terminer son cours de mémorisation de la madrasa deux jours avant l'incident. Lors de la cérémonie de clôture organisée par la madrasa, le Molla, administrateur de la madrasa, s'était adressé aux élèves de la nouvelle promotion de la classe de mémorisation du Saint-Coran. Il a déclaré Vous devez combattre la Jamaat Ahmadiyya. Et il les a provoqués contre la Jamaat Ahmadiyya il les a provoqués à outrance et il les a poussés à prendre des mesures extrêmes. Ces voies par lesquelles ils souhaitent mener les gens au paradis, elles les mèneront en enfer et ils tentent d'envoyer les gens en enfer. L'Ahmadiyya a été introduit dans la famille du défunt martyr par son arrière-grand-père, Fouer Nabibar Nabi Barsh qui était un compagnon du Messie Premier Al-Islam. Il résidait dans le district de Roucharpour. Mokaram Mohammad Siddiq Saheb, le grand-père du martyr, était Ahmadi de naissance. Après la création du Pakistan, ils se sont établis à Okara. Le martyr avait fait des études jusqu'au niveau secondaire. Par la suite, il s'est occupé de ses terres agricoles. Il était également membre du plan béni des Wakifinao. Sa mère lui disait qu'il était un Wakfinao et que ses deux frères sont devenus missionnaires, mais pas lui. Le martyr répondait que je suis en train de servir mes frères et Allah acceptera le service que je rends au reste de ma famille. En effet, il avait pris en charge les besoins de toute sa famille grâce à ses travaux agricoles et grâce à son travail. Aucun membre de sa famille n'avait des soucis financiers. Le mortier servait en tant que caille de la al Ahmadiyya et par la grâce d'Allah, il était également membre du plan dal Il était très sociable et affectueux. Il établissait un lien étroit avec celui qu'il rencontrait, et même les non-Ahmadi qui le connaissaient ont dit qu'un grand crime a été commis. Cependant, personne n'a le courage de confronter les mollahs terroristes. La décence et la morale sont complètement muettes voilà, au Pakistan. En tout cas, les frères et les parents du défunt ont écrit que celui-ci avait un grand amour pour le califat. Il aidait discrètement les pauvres, qu'il s'agisse d'Ahmadi ou de non-Ahmadi. Le sens de l'hospitalité était l'une de ses principales qualités, et il faisait montre d'un grand sens de l'hospitalité, en particulier à l'égard des invités du centre. Tous les membres de sa famille ont écrit qu'il était connu comme un jeune qui était courageux et intrépide. Dans le passé, le défunt avait été ciblé les jours de la ride. À l'époque, Allah l'avait protégé, mais le martyr lui a été décrété. Le martyr laisse derrière lui son père, le respecté Munawar Ahmad Saib, qui est le président de la Jamaat de Al-Plot du district d'Okara, sa mère Shamshad Kaufar Saheba, ainsi que son épouse Fazana Iram et trois jeunes enfants, Kamar Islam âgé de 6 ans, Badar Islam âgé de 4 ans et demi, et une fille nommée Sahar âgée d'un an et six mois. Le défunt laisse aussi derrière lui quatre frères dont Zahour Ilahi Tokir qui est un missionnaire et qui sert dans la cellule de recherche, Hafiz Anwar Ahmad Saab, qui est missionnaire et qui sert au Pakistan. Il a aussi deux frères, l'un qui est à Londres et l'autre à Rabois. Il laisse aussi derrière lui trois sœurs. Une sœur vit ici au Royaume-Uni. Elle est l'épouse de Zishan Khalidzab de Manchester. Une de ses sœurs vit au Koweït. Et elle a une troisième sœur qui vit également à Londres. Qu'elle exalte le rang du martyr et qu'il lui accorde un rang élevé au paradis. Qu'elle protège et aide ses enfants innocents. Son épouse, ses parents et tous ses proches. Il a été tué devant ses enfants innocents. Quels sont leurs états et quels sont leurs sentiments Seul Allah sait le mieux. Son fils aîné, âgé de 6 ans et demi, a été témoin de l'incident et pour l'instant, il est complètement silencieux. Seul Allah pourra leur accorder patience et réconfort. Qu'Allah protège ses enfants et qu'il punisse l'ennemi pour leurs mauvaises actions. La deuxième personne que j'évoquerai se nomme Sulfikar Ahmed Sahib. Il était le fils de, de Sher Saïdullah Sahib de Faisalabad. Il est décédé récemment à l'âge de 36 ans en raison d'une insuffisance cardiaque. Il est décédé dans un hôtel lors d'une visite en Azerbaïdjan. L'Ahmadi a été introduit au sein de sa famille par son arrière-grand-père paternel, Hazrat Sheikh Rahmatullah il était, un, il était un, un compagnon du Messie premier l'Islam et 1er il 1er était 1er. le fils de Sheikh Janda Sahab qui était lui aussi un compagnon du Messie premier l'Islam. Sheikh rahmatullah sab avait une épicerie tout près de la mosquée Mubarak Akkadian Et après avoir accepté l'Ahmadiyya, il a déménagé Akkadian de son village voisin nommé Tokalwala. Une fois quelqu'un s'est plaint à Hazrat Mulvi Nuruddin, le premier calife de la communauté. En disant qu'il ne doit pas y avoir de magasin si près de la mosquée. Hazrat Molvinuruddin en a fait mention au Messie Premier d'Islam. Et le Messie Premier d'Islam a répondu que ces gens étaient des Asra Besufa. Allah a accordé à ces Asra Besufa une grande aisance et il a accru leur descendance. En 2005, le défunt a obtenu un baccalauréat spécialisé en textile de l'Université de Manchester. Par la suite, il s'est occupé de l'entreprise familiale. Malgré d'immenses succès mondains, son humilité était exemplaire. Il était lié avec des gens de tous les horizons et il traitait tout le monde avec beaucoup de respect. Il traitait tout le monde comme ses amis et ses frères. Et il prenait très grand soin de ses employés et il les traitait avec une grande bienveillance. Il faisait beaucoup d'aumônes et participait également dans les fonds caritatifs des hôpitaux. Il cotisait dans tous les fonds de la Jamat. En fait, il faisait lui-même des rappels au secrétaire des finances, lui rappelant de collecter ses dons. Et de l'informer des différents fonds de la Jamaat et de collecter des fonds à cet égard. Le défunt a participé pleinement dans les différents projets de Humanity First. Il a construit des maisons pour différents individus et il a aidé ceux aux revenus modestes pour leur mariage. Il tentait d'apprendre toutes choses utiles chaque fois qu'il rencontrait les gens et il tentait d'appliquer ces principes dans sa vie. Il rendait des services aux autres, en particulier au cours du mois du ramadan. Le défunt et ses parents ont également fait construire une mosquée au Belize. Il s'agissait d'un très grand projet et par la grâce d'Allah, ils ont construit là-bas une très belle mosquée. Et on dit qu'au moment de la cela il a arrêté tout et il prenait son temps pour accomplir la cela La récitation du Saint-Coran était un aspect régulier de sa vie. Il s'assurait que l'on accomplisse la prière en congrégation à la maison quand des restrictions ont été imposées sur les mosquées. Il était parti à Malaisie pour du tourisme et la police est venue dans une mosquée de la Jemad et a arrêté les membres de la Jemad. Le défunt était également présent et il a eu l'honneur d'être prisonnier dans la voie de Dieu pendant quelques temps. Le défunt laisse derrière lui son épouse et ses deux enfants, ses parents, cinq frères et une sœur. Sa mère, Asifa Saïd Saïba, est la Sadar Lajna du district de Faisalabad. Kala leur accorde de la patience. Le docteur Hamid Mahmoud Saeb écrit au sujet du défunt. Il avait de l'attachement et de l'amour pour l'Ahmadiyya et en particulier pour le califat. Il utilisait ses contacts sociaux, politiques et administratifs pour tenter d'aider ceux qui étaient dans le besoin, et il considérait qu'il était de son devoir d'aller au-delà des attentes pour servir ceux qui avaient besoin d'aide. Il considérait également qu'il était de son devoir d'aider discrètement toute personne en difficulté, et il tentait de tout faire discrètement sans se faire connaître. Le docteur Massoud Al-Hassan Nourisab déclare Sulfikar était un jeune Ahmadi très pieux, dit et sincère quand je l'ai connu, j'ai pris conscience de ses capacités. il était un contributeur de premier plan dans les différents fonds de humanity first. sa passion pour le sacrifice et sa générosité étaient d'un très haut niveau et il offrait des centaines de milliers de roupies dans les fonds. mais il faisait montre aussi d'une grande humilité. Qu'Allah lui accorde le pardon et sa miséricorde et qu'Allah accorde à ses parents et à son épouse patience et courage, qu'il protège ses enfants et qu'il leur permette de perpétuer ses bonnes œuvres. Le troisième défunt se nomme Malik Tabassum Maksud zahab du Canada. Il est décédé récemment. Son père, Malik Maksud Ahmed Saab, est tombé en martyr le 28 mai 2010 lors de l'attaque contre la mosquée Daruzikar Zikr à Le grand-père maternel du père du défunt était Hazrat Malik Ali Barsh Saab de Bhopal. Il était un compagnon du Messie premier d'Israël et il a décidé de lui prêter allégeance après avoir entendu son discours à Sialkot. Malik Tabassum Maksoud a dédié sa vie pour servir la Jamaat en 1991. En 2006, il a été nommé à la Nazareth au Murayama, où il a servi comme Naïb Nazir au Murayama. Ensuite, en 2011, il a été nommé conseiller juridique à la Tahrik Jadid. Ensuite, en 2016, suite à ma permission, il s'est rendu au Canada avec les autres familles des martyrs. Au début, il ne voulait pas s'établir, mais ensuite il a accepté de suivre mes conseils. Au Canada, il a servi dans les départements du de, de la Jaïdad, et il a aussi servi en tant que Nazim de la Darulkaza. Il était régulier dans ses prières et dans ses jeûnes. Il accomplissait régulièrement la prière de Tahajjud et il avait un lien profond avec le Saint-Coran. Il était fermement attaché au califat et il écoutait chaque appel du calife de l'époque. Il était très pieux et bienveillant. Il laisse derrière lui sa mère, son épouse, un fils et trois filles. Son fils unique est le docteur Atar Ahmad Saheb. Il a dédié sa vie pour servir la communauté et son gendre est Omar Farouk Sahib et il sert comme missionnaire. Le défunt était également le neveu de Tahir Ahmed Sab, la mère de la Jama du district de Lahore. Sa fille Razia Tabassum écrit que le défunt avait une grande passion pour la prédication, pour l'établir. Une nuit, il était sorti pour prêcher quand des jeunes l'ont attaqué. Il a pu prendre la fuite, mais lors de la bagarre, il a été blessé à l'œil par un coup de poing et il est rentré chez lui avec beaucoup de difficultés. Il n'a rien dit à personne. Des années plus tard, il a commencé à avoir des problèmes à l'œil et il a consulté des médecins. Il a dit que cela était dû à une ancienne blessure et c'est là qu'il a mentionné l'incident qui s'était produit. En tout cas, il était satisfait du fait que sa vision s'était affaiblie en raison de la diffusion du message du Messie premier l'Islam. Malik Tahir Ahmad sahib écrit ceci. Tabassum Maksoud était enclin aux vertus depuis son enfance. Il a servi à la fois dans les organisations auxiliaires de la Jamaat et dans l'administration centrale de la communauté. Il était fermement attaché au Kadifa et il était toujours obéissant envers la jama'at il était modeste et plaçait sa confiance en dieu il a accordé une bonne éducation à ses enfants et il s'était forcé d'établir un lien solide entre ses enfants et le califat et le système de la jama'at hafiz Mohammad akram Qureshi sahab le naib wakil al déclare je le connais depuis fort longtemps et nous étions aussi voisins. Il était très sincère, loyal, gentil et il avait une grande passion pour servir l'humanité et il était entièrement dévoué au califat. Il avait une foi ferme en Dieu. Une fois, il expliquait à quelqu'un la connaissance de Dieu et j'ai vu des larmes couler de ses yeux par amour pour Dieu et en raison de la grandeur de Dieu. Une fois, un de ses collègues m'a informé que le défunt lui avait conseillé ceci ne regarde pas ce que font les autres, n'écoute qui que ce soit, protège ta foi et ne relâche jamais le manteau du califat, car il n'y a de paix nulle part ailleurs. Il était profondément attaché à la Jamaa depuis son temps au sein de la Roudamba et il était toujours prêt à sacrifier sa vie, ses biens, son temps et son honneur. Il était un jeune homme actif, en bonne santé et en forme. Il était costaud, grand et sportif. Et il usait de toutes ses aptitudes pour servir la djemata. Il avait obtenu son permis d'exercer le droit à la Cour suprême tout jeune. Il avait des compétences et une expérience extraordinaires dans différents domaines. Et il avait aussi beaucoup voyagé. Il n'a pas stagné dans l'état où il était. Il était humble et n'a jamais fait preuve de vanité et d'arrogance. Qu'Allah accorde aux défunts son pardon et sa miséricorde et qu'il permette à ses descendants de perpétuer ses bonnes œuvres. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات